Bonjour à tous, donc je m'appelle Julie Ferrer, j'ai 28 ans, j'ai été élue première dauphine ambassadrice Lorraine, je suis esthéticienne et dans la vie j'aime sortir avec mes amis, avec mon chéri et je suis aussi marraine d'une association que vous découvrirez un peu plus tard, donc voilà. Une petite anecdote depuis ton élection. Alors, j'en ai plusieurs, mais une qui restera, je pense, assez importante. Je suis allée à un événement il y a peu de temps. Heureusement, j'y étais pas avec mon écharpe, parce que en rentrant dans la salle, j'étais en talons, le parquet glissait, et je me suis étalée devant à peu près 500 ou 600 personnes dans un amphi. Donc, heureusement que je n'avais pas mon titre le jour-là. C'est la première fois de toute ma carrière, entre guillemets, de Miss, que je tombais. Donc, heureusement, c'était sans mon titre. Pourquoi avoir choisi le comité ambassadrice Lorraine? Alors ça c'est une question très facile pour moi parce que le comité ambassadrice, donc après avoir fait plusieurs concours grande taille, je voulais terminer mon parcours d'acceptation de moi et de mon corps avec un comité ouvert à toutes. Et le comité ambassadrice Lorraine était exactement ce que je recherchais. Donc je me suis vraiment présentée sans vraiment but d'avoir un titre, mais vraiment juste pour réussir à terminer mon parcours d'acceptation et de pouvoir concourir avec des filles de toute morphologie. Et aujourd'hui je suis très fière de mon parcours. Comment imagines-tu l'élection nationale? Donc de base, l'élection nationale, de mon côté, je n'imaginais pas du tout. Étant élue première dauphine, je ne pensais pas du tout y accéder. Mais heureusement, enfin aujourd'hui, j'y accède et je suis très heureuse. Je l'espère surtout en passant un très bon moment avec les autres candidates, un moment très amical, découvrir de nouvelles personnes et m'amuser beaucoup sur scène, un endroit où je me sens très à l'aise et où je prends beaucoup de plaisir. Donc je suis très heureuse de participer. Une célébrité qui te passionne et pourquoi? Alors une, c'est compliqué. J'en ai deux qui sont à égalité dans mon cœur. Voilà, j'ai une personnalité dans le monde des Miss, donc qui est Delphine Vespizer, Miss France 2012, que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises et que j'aime pour son humanité, que j'aime pour son naturel et que c'est toujours un vrai plaisir de voir. Et la deuxième personnalité, c'est Marianne James, qui est une personnalité grande taille, donc pour qui j'ai énormément de respect, énormément de que j'ai pu rencontrer aussi et qui est une personne adorable et qui m'inspire tous les jours de par son parcours et sa joie de vivre, son naturel et voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup mais les deux sont à égalité donc je pourrais pas choisir une des deux. Alors, la chose la plus folle que j'ai faite. Ah si, j'ai traversé la France pour aller aux remises de diplôme de mon ancien chéri. J'ai pris congé et deux jours après je partais à Agen. Donc j'ai traversé vraiment la France de chez nous. C'est vraiment traversé, pris le train dans 8 heures pour aller le rejoindre pour sa remise de diplôme. Comment as-tu réagi à l'annonce de ton nom lors des résultats? Alors moi j'ai eu deux ascenseurs émotionnels on va dire. Le premier, ça a été l'annonce de mon prix. J'ai été prix de la culture générale ambassadrice Lorraine, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas. J'avais l'impression d'avoir tellement galéré au test de culture générale que j'aurais jamais parié avoir le prix de la culture générale, donc j'en suis déjà très fière. Et le deuxième, alors l'annonce du prix du titre première dauphine ambassadrice Lorraine, je ne m'y attendais absolument pas non plus. J'étais avec des candidates absolument magnifiques et c'est ce que j'aime dans ce comité, c'est que c'est pas juste sur le physique ou sur certains critères, ça ramène plein d'autres choses. Et donc j'ai été la première surprise de ce titre, mais aujourd'hui j'en suis très très fière et j'espère que ça ouvrira la porte à d'autres jeunes filles comme moi qui tenteront cette aventure, car c'est vraiment une merveilleuse aventure. Donc aujourd'hui, grâce à ce titre, j'ai été première dauphine, donc le rôle de la première dauphine c'est de remplacer au cas où l'ambassadrice, c'est un empêchement pour l'élection France qui est le cas de Alicia, qui a été élue ambassadrice Lorraine et qui attend aujourd'hui un heureux événement. On en est toutes très très heureuses dans le comité, notre petit bébé ambassadrice. Et je suis très heureuse aujourd'hui de représenter la Lorraine à sa place, mais j'espère qu'elle sera fière de moi et je ferai tout mon maximum. Quel est ton plus grand rêve? Oula. Alors, mon plus grand rêve. Je pense aujourd'hui, c'est d'avoir une
situation stable au niveau professionnel et familial et de fonder enfin ma propre famille. Je pense que maintenant, à 28 ans, je pense que ça doit être un de mes plus grands rêves. Vraiment. Le don que tu aimerais avoir. Ouh, c'est compliqué ça. Le don que j'aimerais avoir. J'aimerais bien pouvoir être plusieurs endroits au même moment. C'est le don d'ubiquité, je crois qu'on a vu. J'aimerais vraiment être à plusieurs endroits parce que des fois, quand il y a des événements, des fois bien éloignés ou alors deux événements la même soirée, bah, j'aimerais bien pouvoir me déplacer assez rapidement, être à deux endroits au même moment ou en décalé. La téléportation serait cool. Ouais, plutôt la téléportation, tiens d'ailleurs. La téléportation pour être à un endroit à un autre, d'un bout à l'autre de la France ou même du monde, ce serait cool. Ouais, téléportation. Que veux-tu apporter de nouveau au comité? De nouveau. Bah, je pense que le fait d'avoir été élu en tant que candidat de grande taille de base, c'est déjà apporté pas mal de nouveautés. Et j'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres jeunes filles qui vont suivre mon parcours. Je le fais pour ça en premier, pour ouvrir la voie à des jeunes filles qui sont un peu mal dans leur peau et leur prouver que tout est possible et que quand on veut, on peut. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories and the memories.